L'histoire de mon fils et de la guillotine est une histoire ancienne. Mais pour ma femme et moi, elle n'a jamais fini. On n'en est jamais sorti. Roger né en 1936, chez nous à Édouard, dans les Vosges. À l'époque, j'ai 6 hectares en pommes de terre et en seigle, et 2 vaches. Roger aime monter au cerisier, nourrir les lapins, déterrer les patates. Et puis, pour ses 20 ans, l'armée l'emmène faire la guerre en Algérie. Il est changé. Après l'accident, l'armée s'en débarrasse. Roger n'a plus d'emploi, il est, comment dire, déboussolé, ça déraille. Il trouve une voiture qui n'est pas fermée et la vole pour rentrer à la maison. Les gendarmes la trouvent. En prison, Roger se lie d'amitié avec Mathieu, un voyou. Toujours avec ce même Mathieu, il dévalise la brasserie Lorraine en menaçant la caissière avec un pistolet. La caisse et en vitesse. Roger est condamné à 20 ans de prison. Du coup, on le transfère à la prison centrale disciplinaire de Clairvaux. Il faut que je vous raconte, Clairvaux. Quand le client arrive à Clairvaux, on lui demande de se mettre tout nu, on l'inspecte sous toutes les coutures et on lui donne ses habits de prisonnier. Pour se laver, un tuyau dans la cour. Pour chier, un bidon de 100 litres au milieu. Quand ils commettent une infraction au règlement, on les met au cachot, il y fait froid, ça les calme. Dans les ateliers, il y a un nigo nommé Bontemps. Et puis les gars qu'on nous envoie, un certain Claude Buffet. C'est le 21 septembre 1970. Deux détenus se sont barricadés dans l'infirmerie. Ils ont pris en otage le jeune gardien, Guy Girardot, et l'infirmière Nicole Comte. Le personnel pénitentiaire demande l'application automatique et rapide de la peine de mort pour tout meurtre commis en prison. L'opinion demande un règlement rapide. Aucune lenteur ne sera tolérée. Elle estime que la peine de mort est la seule peine possible. Le procès des mutins de Clairvaux débute dès le mois de juin 1972. Faites entrer les accusés. Claude Buffet, 39 ans, chauffeur de poids lourd. Et Roger Bontemps, 36 ans, plombier. Monsieur Buffet, comment s'est passée l'attaque contre l'infirmerie? Quand nous sommes entrés dans l'infirmerie, mon camarade a bloqué la porte. Moi, j'ai plaqué le surveillant Girardot. Mais quand je l'ai frappé, l'infirmière était déjà blessée. C'est Bontemps qui a donné le premier coup. Je ne l'ai pas vu, mais j'en suis sûr. La parole est à la défense. Oui, maître Badinter. Avez-vous frappé l'infirmière? Non. L'avez-vous touché? Mais non, mais jamais. Mais jurez-le, Bontemps. Oh, mais moi, je le jure. À la question « Bontemps est-il coupable du meurtre de Madame Comte ?», le jury a répondu « Non, à l'unanimité. Buffet est-il coupable du meurtre de Madame Comte ?» Bontemps est-il complice de Buffet? Oui. En conséquence et sans désemparer, le tribunal condamne Claude Buffet et Roger Bontemps à la peine de mort. Bravo! Bravo! Silence! Silence! C'est une honte! Faites sortir l'individu qui manifeste! Qu'on emmène les condamnés! Et puis le coup de téléphone arrive. L'exécution est pour cette nuit, à 6 heures du matin. Oh,
Quand Bontemps apprend la nouvelle, il fait un brin de toilette. Il demande une cigarette. Il boit un verre de cognac. Il dit... Il est bon. Au substitut Richon, qui a fait le déplacement depuis Troyes, il dit... Alors, tu bandes. Tu es formidable. Quelques instants plus tard, Claude Buffet est décapité. En septembre 1981, le moment est enfin arrivé, Robert Badinter est nommé ministre de la Justice. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La bascule en trois mots, maîtrisé, très touchant et surprenant. Éducatif, surprenant et génial. Émouvant, représentatif et militant. Œuvre d'utilité publique. Intelligent, interactif et agréable. Courez vite, allez-y vite. Surtout en ce moment avec un relent de fanatisme, de fascisme, ça fait du bien. Réaliste, original et émouvant. Historique, tranchant, mais rassurant. Intelligent, très touchant, formidable.